Pourquoi me supprimer mon dash? Sérieusement, le jeu, pourquoi? Sérieusement, c'est insupportable. Oh, quel enfoiré. Non. Non, non, on se bat pas, on se bat pas. Allez. Je comprends rien, ça me casse les couilles. C'est insupportable. Ce passage est insupportable. Oh là là. Oups, j'ai oublié de splitter. Dead Fraud. Bon, cassez-vous les golems, vous me faites chier.
Je sais pas si le sens des golems dans les caves de Castlevania 4 il est RNG, mais de temps en temps ils sont vraiment mal foutus. Il est totalement RNG. Oh, ok, c'est de la merde. Alors. Ou alors, enfin, comme tout, hein, y a peut-être moyen de le conditionner, mais même globalement, toutes les runs des vrais runners que j'ai regardé, ils les ont jamais au même endroit. Mais ils savent gérer tous les positionnements, j'imagine. Bah, en prenant des dégâts éventuellement. Ok, bon. Bon, je vais pas m'inquiéter. Allez! Les hommes poissons. J'en ai supprimé un dans la face, c'est merveilleux. Non, non, je suis la merde. 3, 4. Mais c'est bientôt fini cet aspirateur, mais putain. S'il vous plaît, la construction c'est pas bientôt fini. Mes inputs, c'est toujours trop bien. Je suis pas mort au niveau 3. Nouvelle opportunité de se chier au niveau 4 arrive. Bande d'ordures de merde, je vous ai tellement défoncé votre race. Putain de Watcher. Thune, putain la thune. Quoi, d'ailleurs je me demande vraiment comment c'est que je me retrouve en rate de thune à la fin de chaque run comme ça maintenant. Bon, peut-être parce que je bourre plus, donc forcément je tue moins d'ennemis, donc je récolte moins de thunes, mais putain, c'est dingue quoi. Tu ramasses moins tout exactement à chaque fois, je sais pas. Bah ouais, ouais, non, mais si c'est... Enfin, les points importants où t'as beaucoup de thunes, je ramasse tout, mais par contre à côté de ça, comme je tue moins de mobs... Vu que bah, je sais pas, j'avance mieux quoi. Et bah du coup je récolte moins de pognon. Et à l'avant je finissais avec un petit pécule en plus. Là hier en PvP je me suis retrouvé avec 100 de moins quoi. Oh merde, 100. J'ai perdu une minute à aller récupérer de la thune. Oh fait chier. Donc c'est pour ça maintenant il faut que je sais que je dois le surveiller vers la fin. Et ouais, tout le kill. Non mais il y a des choses que je commence à comprendre sur ce boss après. Le problème c'est qu'il est quand même assez RNG dépendant. S'ils veulent pas se mettre s'aligner tout ça, c'est chiant. Non mais quel connard, mais je suis vraiment con comme un ballon. Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est là, en théorie, à 2315 maintenant, là, il va me manquer de la thune. 3, 4. Mais bon. Pour le moment, je peux. Disons que j'ai le temps de m'en remettre. Meurs! Putain, faut-il. J'ai de quoi acheter la sortie de la fourmi et la lanterne, c'est bien. Vraiment minable. Hein. De toute façon, on sait tous bien que je vais mourir au chandelier.
depuis que j'ai appris le 5 cycle. Ah, c'est si triste. Ce que je comprends pas avec la salle qui tourne sur elle-même, c'est est-ce que c'est tout le château qui tourne ou est-ce que c'est juste la salle? Non, moi je pense qu'il a une petite salle aménagée par des forains. Ils m'ont dit, ah, monsieur Dracula, attendez. Vous voulez passer? On va faire tourner. C'est hyper pratique. Un petit amusement. Et pile au milieu, on met un anneau. Au cas où un mec arrive avec un fouet, et bien il pourra s'y accrocher. Il pourra aussi accrocher son cheval. Ah. C'est tout pensé. Et ensuite, on va vous mettre une petite salle en rouleau de PQ comme ça, là. Ça sera vachement bien. Donc là, 215. Il me faut encore 350. Putain, ta merde. Bon, il me faut 350. Donc là, putain, il faut que je récupère plus de 100. Et dites-moi, messieurs, c'est pas un peu la gerbe, vous êtes sale? Non, non, allez-y, vous allez voir. En plus, il y a des squelettes qui tombent du plafond. C'est vraiment trop bien. Heureusement qu'on est là pour penser à tout dans ce château. Y'en a marre, là. Y'en a marre. Tellement marre. Donc là, il y a 50 à dépenser, et je vais encore avoir un truc, un checkpoint à payer, et la dernière fourmi pour remonter. Oh là là. Mais, route. Au lieu de te faire aspirer par les escaliers là, comme si il n'y avait pas de lendemain. Tu comprends un truc sur le golem, moi. Et ça m'aide vachement. Bon, ici, je vais arrêter de bourrer parce que j'en ai marre de me faire niquer dans cette salle de connard. Regold. Ah. C'est caché, voilà. C'est du bled, hein. C'est rigolo ça. Une partie de Tetris endiablé. Mais oui, ça envoie du rêve. Ah non, 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 mais je veux bien comprendre. Je veux bien. Oh putain. Le checkpoint est à 3 milliards de kilomètres. Putain! Quelle connerie! Oh mais non! Ah maintenant pour passer, ça va être l'enfer! Beru, au lieu d'apprendre Rayman Legends, eh ben, il fait du Tetris. Il devient Grand Master sur TGM1. Ouais, encore du temps perdu. Bah bon, bon, j'en gagne, mais j'aurais pu en gagner plus surtout. Ah bah oui, ça je suis tout à fait d'accord, Bermundo. TGM, c'est super cool. Bah après, c'est très difficile à comparer avec Devil Daggers, quoi.
Enfin, Devil Daggers est très difficile à comparer avec quoi que ce soit, en fait, quand on y pense. C'est trop bien ce passage, c'est vraiment l'extase. Bon, ok, on sait pas grave, on attend ici. Tout va bien. Je suis pas pressé. Ah, t'arrives toujours pas à le finir, TGM. Bon, après, c'est méga dur, hein, donc je t'en veux pas. C'est un peu de tendax, c'est strat, mais ça marche. Mais. L'important, c'est que ça marche. Chier, il va te décaler. Ah, fais chier. Ah, putain, ça c'est de la merde. Non, c'est bon. Mais casse-toi, toi. Mais non, comment gâcher, comment gâcher. Non mais cette attaque là, elle est pas dangereuse, mais qu'est-ce qu'elle est longue, putain. D'accord. Ah, je pensais qu'il allait faire qu'à ça. Je pense qu'à ça. Non, quel con, quel con, quel con. C'est bon, on est pas mort. Je mourrais sur les danseurs, j'étais pas content. Ok, je suis une minute en avance. Eh hey, pourquoi? Pourquoi? Quel sens ça a tout ça? Et j'ai énormément de temps à sauver sur le niveau 7. Donc tout va bien. Putain, c'est pas... Allez. Juste pas mourir maintenant, parce que sinon ça va être la haine. Putain, ça c'est vraiment gavant. Faut être devant lui pour faire le bavard le truc. Listen, par contre, automatiquement ça le fait reculer. Putain, c'est vraiment nul.
suis un gros débile. Hein. Niveau 0. Putain. Je suis mort à l'écran des livres parce que j'ai sauté trop tôt comme un abruti, quoi. Fais chier. À l'écran des quoi ? À l'écran des livres. Non, mais il est dur. Bah ouais, mais pourquoi je saute si tôt, quoi, aussi ? Évidemment qu'il est dur quand on fait l'abruti. Parce que là, le squelette, je peux pas le tuer, quoi. Voilà. Fais chier. Et là, j'ai plus rien pour le reste du niveau. J'ai perdu une minute. Fuck! Parce que la croix, elle est à un endroit insupportable. Heureusement, il y a 1000 backups sur le niveau 8. Le niveau 8, ils savaient qu'il était chaud parce qu'ils ont mis deux croix dedans quand même. Pilapapapapapam. Pareil, le niveau 7, il y a beaucoup beaucoup de viande quand même dedans. Salut Kilaï. Salut Kilaï. J'aurais bien aimé faire sub 45 là. Ça aurait été cool, mais bon. Sub 45, je pense qu'il va falloir attendre le presque deathless. Oh là là. Lui c'est une raclure. Lui c'est une putain d'ordure ce mec. Il est horrible. Allez, Lord Gracul. Ah, trop lent. Non, ça passe. Heureusement, il est nul ce boss, sinon je serais mort. Et oui, j'ai perdu 3 minutes sur le niveau 8 de mon ping. Merveilleux. Et j'ai mis 7 minutes sur le dernier niveau. Oh, c'est ta merde. Putain. Père. C'est pas, on perd du temps, on les bute. Voilà. Quel œil à la con. Hein. Allez. Allez, on va essayer de récupérer la croix là. Merveilleux.
Quel con! Bah, fais chier. Bon, c'est bien fait pour ma gueule. Faut que je surveille ma thune, putain. Il faut 250 à la sortie du truc. C'est que là, je voudrais quand même avoir. Quoi? Mais putain, au bout d'un moment, arrête de faire le débile là! Mais je l'attends aussi. Quelle emmerde! Bon, du coup, ce qui est con, c'est que je vais arriver avec moins de mana. Ouais, putain, je me suis trop soigné. Ouais, putain, non. Ouais, no strap. Voilà. Je gagne quand même du temps, quoi. Mais quelle emmerde. C'est ouf, ça. Bon, alors, j'ai bien... Faut que je vérifie. J'ai bien 250, c'est bon. Et là, il y a encore... Il y a une toute petite backup à la fin, si jamais on manque. Ça commence déjà mal. Merveilleux. C'est nul, fallait pas faire ça. Pila pam 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 Je pense que du point de vue ça suffit. Que j'ai... Non! Putain, mais d'accord, t'as décidé de faire chier aujourd'hui. Quelle perte de temps!
Oh non. Non. Allez, Zebot. Et putain, big box. Ah, je suis con. T'es tellement pas oublié ça. inaccurate. Elle est au niveau 1. Jouer sur ce boss de pain qui est complètement merdique. Putain, comment vous pouvez vous chier à ce point là? Putain de box de merde. Yes. Voilà, l'attaque de fils de pute. Mais oui, c'est dégueu, ce boss est dégueu. Putain. Si au moins ils avaient fait les hitbox correctement, mais non, non. Finir le boulot, faire un jeu, ça c'est facile aujourd'hui. Hein. Alors finir le boulot et l'entretenir derrière aussi, ça c'est compliqué. Hein. Les mecs sont en train d'annoncer des DLC, leur jeu il est pas foutu de tourner correctement sur toutes les machines. Yes. Ouh. Tellement de faire enculer, putain de boss de merde.
Mais je t'emmerde tellement, sac à merde! Putain! Ça c'est dégueulasse, ça c'est le plus dégueulasse. Franchement, comment t'oses mettre ça sur un boss? C'est vraiment n'importe quoi. Ce pari-là, c'est vraiment honteux. C'est honteux. Le truc, tu peux rien y faire. Tu peux rien faire contre ça. Le mec, il te parie à la fraye. Il va te dire, oh, non, non, là, ce coup-là, j'ai pas envie de le prendre. T'as trop bien joué, j'ai pas envie de le prendre. Donc là, maintenant, c'est toi qui vas prendre le coup derrière. C'est n'importe quoi. Comment tu peux te chier à ce point-là, quoi? C'était chaud ça. Ah, alors cette attaque de fils de pute là, sérieusement. Voilà. Le boss sait plus quoi faire, alors il se met à parier. Allez. Toujours trop bien, un boss qui fait 3 fois de suite les mêmes attaques. Trop de laval. Trop de laval, le boss ici. Allez hop. Quel sale jeu de fils de pute. Non mais... Putain, Gabon là, il m'a fait trop de dégâts lui. Ah, merci. Allez, fais-la encore 4 fois de suite là comme tu fais d'habitude. Ouais, vas-y, pari va, trou de balle. Voilà.
peux rien faire. Cette attaque, tu peux 3 tellement minutes rien sur faire. Drake. T'es obligé de te la prendre dans le cul, quoi. C'est infernal. Cette attaque de boule de feu, là, c'est vraiment le pire truc de trou du cul du monde. Tiens. Voilà. Allez, mais c'est ça, Paris, va. Allez, vas-y, Paris. Fais-toi plaisir, sale con. Allez, mais ouais. Vas-y. D'accord. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce jeu débile. Techniquement, franchement, c'est à la ramasse complète. Hein. Franchement. Finissez votre jeu, les mecs. Mais aidez de Paris. Débile. C'était chaud ça, ce combat contre Dracula. Hein. Yes. Oh putain, c'est insupportable cette attaque, on peut rien faire. Perdu du temps. Rien faire, on peut rien faire. Cette attaque de boule de feu là, on peut pas l'éviter. C'est random quoi. Putain. Eh bien. What? Bah, ça me touche. Voilà, bah, allez, fais ton trou de balle. Bien sûr. Et ça c'est une attaque qui existe, ça maintenant, le saut de Mongol. Putain. J'ai tellement marre de ce jeu. Franchement, je pense que là, je bats le boss de fin, plus jamais j'y touche à Olo. C'est bon. Franchement, quelle perte de temps, quoi.